Pour les objectifs de la refonte de site internet, donc on peut avoir différents objectifs. On peut avoir le fait d'attirer de nouveaux clients, de booster sa visibilité, de présenter de nouvelles expertises, de soigner son image de marque ou d'élargir son audience. Mais pour chacun de ces objectifs-là, il va falloir définir des objectifs qu'on appelle SMART, mais ça, on en parlera un peu plus tard en détail. Lors de la refonte, ça va être le moment aussi de revoir le contenu et de proposer un contenu de qualité. Donc il faut du contenu pertinent, optimisé pour le SEO et adapté à notre cible. Donc dans l'idéal, un bon contenu pour performer, il faut qu'il fasse entre 1000 et 2500 mots. Il faut aussi créer des pages liées aux spécialités sur lesquelles le cabinet souhaite se positionner.